Croyez-vous aux légendes? Je veux dire, croyez-vous qu'elles ne sont vraiment que des légendes? Je crois pour ma part que certaines sont le récit d'hommes ayant vu des choses trop abominables pour recevoir la crédulité de leurs auditeurs, ou des choses trop insupportables pour que leur esprit puisse s'y résoudre. Car une légende a ça de parfait que sans altérer son intérêt, provoquant une inéluctable attraction chez les plus curieux, son aspect fictionnel et son appartenance à un passé lointain et inaccessible vous en protègent. Parfois cependant, le passé semble se réveiller et lance un appel. Cette nuit fut celle où ma légende débuta. Un rêve comme un autre à première vue. Un décor familier, à une heure convenable pour s'y trouver. Voilà Providence, au petit matin, calme et paisible. Pourtant, un sentiment d'oppression m'empare. Un homme étrange, au bouc pharaonique me fixe, me perce de son regard. Il n'a rien à faire dans ce décor, et ce visage semble cacher quelque chose. Quelque chose de plus horrible, de plus abominable. Cette plage, un souvenir bien heureux. Ces après-midi à jouer dans l'eau avec mon petit frère. Ces après-midi de bonheur en famille. Mais cet heureux souvenir s'assombrit, s'efface au profit d'un nouveau mal-être. Les visions d'horreur de cet homme me reviennent, et cette plage me semble de plus en plus menaçante. Le fracas des vagues s'alourdit, la terre commence à trembler, et quelque chose émerge à l'horizon. Mon vœu de disparaître sous terre pour échapper à cette horreur immonde semble avoir été exaucé. Pourtant, une abomination plus grande encore m'apparaît. Et la bête immonde m'arrache à ma terre. Cette planète que nous croyons nôtre m'apparaît maintenant aux mains d'une réalité bien supérieure, bien plus horrible que tous les malheurs qu'il put connaître. Les horreurs que j'entrevois me surpassent et me submergent. Tout m'apparaît clair, et l'humanité n'est plus qu'un pion parmi des monstres hors du temps qui se jouent de notre insignifiance. Qu'à dans sa demeure de Haile, le défunt Cthulhu attend en rêvant. Un rêve. Seulement un rêve. Un rêve à la consistance toutefois bien singulière. Mais je dois l'écrire et raconter ces choses pour m'en exorciser. Car la simple vision onirique de cette immonde réalité doit suffire à changer un homme. Mais qu'est-ce qu'un homme face à ce monstre ?